imposée par la crise sanitaire. Retour sur quelques-unes des actions entreprises par le Bénin. On parle dans cette édition du métier d'horloger, une profession qui est visiblement en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Les précisions dans un instant. Crise sanitaire liée au coronavirus, la campagne de vaccination contre le virus a démarré au Brésil. Toutefois, les hôpitaux sont en état d'alerte sanitaire. L'année 2020 s'est écoulée avec beaucoup de souvenirs dans les mémoires, comme la Covid-19, une pandémie qui aura ralenti plusieurs actions dans différents états et différents secteurs d'activité. Dans le secteur du numérique, quelles sont les avancées enregistrées au Bénin en vue de rompre la chaîne de contamination durant l'année 2020? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Rodrigue Babagueto. En dépit de la pandémie du coronavirus, les grands projets inscrits dans l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation et lancés en février 2020 ont été réalisés. Ces projets, déclinés autour de l'accélération du déploiement de l'Internet, de l'appui aux start-up, de l'installation des salles numériques, de la dématérialisation de l'administration et autres, ont permis le développement des infrastructures numériques et des services et systèmes d'information sécurisés. Tenez par exemple, le 26 mars 2020, le portail national des services publics faisait son apparition sur la toile. Accessible sur le site www.servicespublic.bj, il simplifie et facilite les démarches administratives aux usagers grâce au numérique. Nous travaillons d'arrache-pied avec le secteur du numérique pour la mise en place des bonnes plateformes, ce qui me donne d'ailleurs un cordon pour pouvoir parler du portail national qui surtout permet aux Béninois donc de pouvoir de chez eux consommer la plupart des services de notre administration sans avoir à se déplacer. C'est l'un des avantages premier que l'on peut avoir sur ce portail, qui est de se dire qu'à un moment où on a besoin de consommer plusieurs services de notre administration, de pouvoir le faire de partout dans le monde. Preuve de la volonté du gouvernement de rapprocher les usagers de l'administration, cette plateforme donne accès aux informations relatives à plus de 250 services publics. Aussi, le secteur éducatif n'est-il pas resté sans afficher une résilience face à la pandémie de Covid-19? La plateforme e-learning a vu le jour en vue de permettre aux étudiants des universités publiques du Bénin de ne pas manquer les cours. Les étudiants peuvent accéder aux cours non seulement à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Du moment que le professeur programme le cours sur la plateforme par le biais de l'application Zoom, c'est-à-dire que les professeurs aussi ont leur accès à la plateforme pour programmer les cours et les étudiants ont également leur accès pour suivre les cours. Donc si c'est fait par ce biais, l'étudiant qui se connecte n'a aucun problème, il peut suivre son cours gratuitement sans qu'il y ait de difficultés. Une plateforme de créer pour recevoir les cours en ligne quelques mois après suivra une autre pour cette fois-ci avoir les résultats et relever de notes des examens et concours, et ceci toujours en ligne. C'est en juillet que la plateforme e-résultats est lancée. Cette innovation numérique sera le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin désormais. Bien que la Covid-19 ait porté de graves coups à plusieurs secteurs, celui du numérique s'en sort tout de même gagnant, confiant et surtout prêt pour de nouveaux défis en cette année 2021. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser les réparateurs de montres. En effet, plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier. Plus de précisions dans ce reportage. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison.
mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. Ouais, 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Dodji Kossi Misirun est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous parle ici des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées. Mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain importé d'ici par les nôtres et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. L'actualité au plan national, c'est également à travers la nation. En bref, en image, un condensé des faits importants ayant marqué le Bénin durant ces dernières 48 heures. C'est un résumé réalisé par Nadège Omoladesani.
Une délégation de la communauté portuaire de Cotonou, conduite par le directeur des ports et le directeur général du port de Cotonou, s'est rendue mardi dernier à la frontière bénino-nigériane de Sémé-Kraké. Accompagnée des acteurs portuaires, la délégation du Bénin et celle du Nigeria ont tenu une séance de travail au poste frontalier de Sémé. La mise en œuvre effective de la réouverture des frontières était au cœur des échanges. La délégation a visité le site de dépotage des conteneurs en provenance ou à destination du Nigeria via le port de Cotonou. L'objectif de la visite est d'étudier les modalités de mise en service du site. À partir du 1er février 2021, les consultants et prestataires individuels pourront délivrer à leurs clients des factures normalisées via le système dématérialisé des machines électroniques certifiées de facturation. Selon le communiqué du directeur général de la DGI, Nicolas Yenoussi, en date du lundi 18 janvier 2021, le système dématérialisé des machines électroniques certifiées de facturation est accessible à l'adresse sigmef.impo.bj. Répression dans le département du Bogou face à l'augmentation des cas de COVID-19. L'annonce a été faite par le directeur départemental de la santé, le colonel Ibrahim Mama Cissé. Selon ce dernier, avec la période d'Harmattan, le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente dans le département du Bogou et plus précisément dans la ville de Parakou. Le directeur départemental de la santé du Bogou a précisé que les cas dépistés de décembre 2020 au 15 janvier 2021 sont supérieurs au nombre de cas dépistés les 10 mois précédents. Selon le colonel Ibrahim Mama Cissé, la répression a commencé au CHU des Parakou avec les forces de l'ordre. Les agents de santé qui ne respectent pas les règles seront sévèrement punis. La phase répressive va également s'étendre aux autres communes du Bogo. Le Brésil a lancé le 18 janvier 2021 sa campagne de vaccination contre le coronavirus 2 jours plus tôt que prévu, avec une distribution des premières doses de vaccins disponibles dans tous les états du pays. À Manaus, dans l'état d'Amazonas, la situation reste critique. La précision dans ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. À quelques kilomètres du chaos que vit la mégalopole amazonienne, la petite ville d'Iranduba semble bien calme. Ici, la mairie a imposé depuis une semaine un couvre-feu à 14 heures. Les rues sont désertes, l'hôpital de la ville a 90% de ses lits occupés. Alors l'heure est grave pour cette famille de commerçants. Estava pensando que não ia acontecer com eles, acabou acontecendo. Foi o que aconteceu no nosso Amazonas. Relaxou tudo. Relaxou? Não sei agora se tem essa UTI. Tem. Só que não funcionava, né, UTI, né? Les transports en commun vers Manaus sont interdits. Le capitaine Stanley Araujo et ses policiers qui patrouillent n'ont qu'une seule consigne, zéro tolérance. Devant cette entreprise privée, des centaines de proches de malades attendent des heures pour espérer une recharge du précieux gaz. Oh, quem não puder deixar o cilindro para pegar amanhã à tarde, não deixe, porque a gente só vai poder entregar amanhã à tarde. Bientôt 19h, l'heure du couvre-feu à Manaus. Davi Avelino attend depuis plus de 8 heures. Il n'obtiendra pas d'oxygène pour son père ce soir. Cheguei 11 horas, você tem o botijão, tem que correr na chuva com um cilindro de não sei quantos quilos para poder salvar o pai, salvar o amigo. Só deu uma esperança aqui. Né? Assim, é uma experiência devastadora. Le gouverneur de la région a prévenu Manaus, la ville ne se remettra pas d'une troisième vague à venir, alors il faut agir vite. Après des semaines de suspense, le vaccin chinois est enfin arrivé dans la capitale amazonienne. Plus de 600 000 doses devraient être distribuées dès ce mardi dans toute la région.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.